Salut les gars, c'est Wissaf et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté d'un gros cul, non je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement qui a zéro. Tu fais exprès ou tu délires? Alors les gars, très rapidement, nous allons parler du nouveau single des Kif No Beats. Bled Eyes and New Fresh. Ça vient juste de sortir et ils l'ont chanté avec Sofiane. Ça dit Kif No Beats featuring Sofiane ou Fianzo. C'est pareil. Allons-y. C'est parti, les gars. Un OG en New Dress. Voilà. Ramenez les petites. Aïe 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 les gars, déjà première impression, le clip, il est très simple, mais il jarre mal, sérieux. Ce sont des genres de clips qui ne coûtent pas cher, mais qui peuvent quand même faire du buzz. Alors, belle prestation des Kif No Beats, belle prestation de Sofiane. Seulement que parmi les 5 loups, on a constaté, nous tous, qu'il y a eu uniquement 4 loups qui ont chanté. Le seul loup qui n'a pas chanté, c'était LJ. Et pourquoi? Est-ce qu'ils l'ont fait pour ne pas qu'il casse le rythme? Parce que très bien, vous avez constaté, le truc était un peu trop speed, vous voyez. Voilà, chacun essayait de... Parce que pour tous ceux qui ont suivi le clip, vous allez constater en même temps que moi que tous ceux qui ont chanté avaient quand même la rage, vous voyez. Et étant donné que le cinquième lot est du genre R&B, lui il est tout le temps là pour casser le rythme quoi, vous voyez. Quand les autres essaient de mettre un peu de rage dans leur flow, lui il est tout le temps là pour venir juste essayer de calmer les ardeurs. Adoucit les cœurs et puis bon, voilà quoi. Mais bon, LJ, moi je suis pas en train de mettre en cause ton style musical et tout ça. Je suis juste en train de dire ce qu'il en est réellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai constaté dans certains commentaires que des personnes sont en train de dire ouais, Sofiane comme Fianzo, c'est pareil, le nom est juste renversé, c'est tout. Sofiane a fumé les Kif No Beats et tout ça, mon chien. Alors les gars, là moi je suis pas d'accord avec vous. Tranquille quoi. Je pense que sur ce son là, il y a plutôt eu des rappeurs qui ont voulu, alors là vraiment, voulu donner le meilleur d'eux-mêmes. Seulement que Sofiane a été un peu plus agressif que les autres. Et c'est ce qui manque aux rappeurs de Côte d'Ivoire, l'agressivité. Alors, on a les Kif No Beats qui sont du style du genre rappé, mais pas trop agressif. Ou bien peut-être que c'est le mélange des styles musicaux qui font que dans l'ensemble, les Kif No Beats ne sont pas agressifs. Alors, dans leur groupe, il y a seulement 2 qui sont agressifs. Je note Didi B, je note Elou. Jocha, lui, il est à cheval entre les deux. Ça dit, tantôt il est agressif, tantôt il se la joue cool. Et maintenant, Black Car, lui, n'est pas du tout agressif, voilà. Mais ils ont tous un texte très lourd. Sérieux, les gars. Alors, quand on prend un gars comme Black Car, on prend un gars comme Elou, on prend un gars comme Jocha, aïe, lui, va... On prend encore Didi B
Et puis, tranquille quoi, l'autre aussi, le mec du R&B là, LJ, on le prend aussi, ils ont tous des textes lourds. Seulement les gars, ils ne sont pas aussi agressifs que ça. Voilà. Dans l'ensemble, je veux dire. Sinon, quand on les prend de manière individuelle, comme je l'ai dit, Didi B et Elo, ils sont agressifs. Mais quand on les met tous sur un seul son, ils ne sont pas aussi agressifs que ça. Blaquer sur ce son là, vous avez l'impression que c'est Sofiane qui les a fumés. Mais je vais vous dire, le texte de Sofiane n'a pas été plus lourd que celui de Joucha, ni même que celui de Blaka. Et c'est la raison pour laquelle je voulais attirer l'attention des rappeurs de Côte d'Ivoire, les rappeurs, surtout ceux qui sont inscrits dans le rap game, les gars. Vous manquez d'agressivité, c'est tout. Le c'est tout, les gars. C'est pourquoi on a l'impression que votre rap est un peu molle. C'est la raison pour laquelle vous ne faites même pas du tout peur aux autres rappeurs de la sous-région. C'est le même problème qu'on constate aussi du côté des Camerounais. Ils ont beaucoup de bons rappeurs, sérieux. Et le seul rappeur que je trouve là-bas, ça dit au Cameroun, très agressif et qui a de l'avenir, c'est Boy Tag. J'ai décidé de ne plus galérer si on est là au défaut, faut me donner les ouais. Moi je prends ça dedans pour les fendre dehors. Parce que la fête d'argent c'est de vie ou de mort. Tous les jours on me met le bâton dans les roues. La rue ne tue pas mais les tuer c'est nous dans la vie. Faut savoir comprendre les gens. Mais dans ma tête me disait j'ai mangé les dents. Nigga take it or leave it, ain't got no facility. Earning a living but my own ability. With or without the money I'm still giving it. Go for the call so you better believe in me. Hell of a boy you can say you were feeling this 2, 3, 7. Ah ouais les gars, celui-là je le trouve assez agressif. Cameroonians up as a prodigy. Motherfuckers don't know what they say to me. Pour mes punchlines, we know economy when they come for me. It ain't my fault, all you hit it, so it's not a triple competing with a hard nigga on a fast lane. So people want to run your mama city over Bobby. They know they say plenty money, better pass fame. I like the way my people run the gara. So that when I want the hammer, I go holla, then I scatter. I don't get the time for falla, money, bella, pala, pala. Ain't no better pass a banana, what's an up of a dwella. Celui-là, je sens que c'est quelqu'un qui peut très vite s'imposer. Ce sont les moyens qui lui font défaut. Sinon, si quelqu'un vient l'aider à booster son talent, les gars, je vois pas un seul au Cameroun là-bas qui pourra le descendre. Ça, jamais. Même actuellement, je vois personne au Cameroun qui peut le descendre. Il est trop violent pour eux. Son championnat est trop hard pour eux. Voilà. Donc, pour revenir au rap ivoirien, les gars, c'est l'agressivité qui leur manque à tous. Le groupe Saba, par exemple, ils ont de très bons textes. Très lourds, les gars. Mais je ne les trouve pas aussi agressifs que ça. Hypercute, lorsqu'il évoluait en solo, là, il était agressif. Mais depuis qu'ils se sont réunis pour former les Saba, bah, je ne le trouve plus aussi agressif que ça. Fireman, lui, il peut être agressif. Si Fireman est agressif, avec les textes lourds qu'il a, les gars, sérieux, hein? Lui aussi, Côte d'Ivoire complet, ça sera difficile pour le descendre. Il va savoir très vite s'imposer. Fireman, ce message est pour toi. Sois un peu plus agressif. Tes textes sont propres, mais sois un peu plus agressif. Alors, pour revenir au Kiff No Beat, très belle prestation, j'ai kiffé, tranquille, je suis un jaillet. Mais pourquoi LJ n'a pas eu de couplet dans ce son-là? J'ai très bien envie de savoir. Peut-être que c'est le problème que je viens de relever tout à l'heure. Ça dit, pour ne pas qu'il casse le rythme, quoi. Voilà. Comme du genre, pourquoi tu dabs? Quand il est venu, bon, il a cassé un peu, mais vous avez su arranger. Puis le truc était trop propre même. Sérieux, chacun est venu avec son style de musique pour pouvoir poser son couplet sur le son « Pourquoi tu dabs ?» C'était trop profond même. Mais je me demande pourquoi vous n'avez pas fait pareil avec ce son-là. Voilà. Mais bon, même si SG n'a pas chanté, tranquille, moi j'ai kiffé. Sérieux, je kiffe grave les gars. Allez, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous trouvez. Et puis, à bientôt pour ma prochaine vidéo. Break Clash dans le coupé décalé avec le nouveau single de DJ Léo. C'est dans quelques heures, les gars.